Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo unboxing pour vous montrer une commande que j'ai faite dans une boutique qui m'a contactée il y a peu. Je ne connaissais pas, donc je vais vous présenter avec plaisir. C'est une boutique qui s'appelle Loisirs Art. Et ils m'ont proposé de présenter cette boutique. Donc, j'ai choisi deux articles chez eux. Et vous voyez, il y a un bon gros article dedans que j'ai hâte de découvrir vraiment. Et donc, c'est une boutique. Franchement, ça me fait assez plaisir de vous la présenter. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour vous la présenter, je ne vais pas faire comme d'habitude. Ça, je vais le mettre de côté. On va voir ce qu'il y a dedans tout à l'heure ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur mon écran d'ordi pour vous montrer la boutique. Parce que c'est une boutique de diamond painting. Et moi, j'ai pris plutôt des outils pour diamond painting. Des outils qui peuvent me servir à moi, bien sûr, et qui peuvent également vous intéresser. Ça, c'est fort probable parce que même si vous ne faites pas de diamond painting, il y a un article dedans, ou même les deux, hein, pour le coup, qui peuvent servir dans le scrap également. C'est-à-dire que ça peut, comme d'habitude dans le scrap, quand on fait du scrap depuis un moment, on le sait, tout peut être détourné. Donc, vous savez bien mon amour pour le scrap. J'ai pris des articles qui peuvent m'aider dans mon scrap. Le diamond painting, moi personnellement, je n'ai pas fini le diamond painting en cours qui est un énorme tableau. En plus, là, ça fait plusieurs mois, j'ai vraiment, vraiment pas pu me remettre dessus. C'est pas grave, je ne suis pas payée à la minute pour faire mon diamond painting. C'est un plaisir que je le fais quand vraiment j'ai envie de ne penser à rien. En général, je mets ma petite télé et ça me vide complètement la tête. Autant quand je fais du scrapbooking, ça me fait le même effet. C'est juste que si je suis en train de faire un projet scrap, par exemple, qui est un peu plus long, je ne vais pas me mettre sur mon diamond painting, je vais finir mon projet scrap. C'est-à-dire qu'il y a aussi la vie, hein, comme tout le monde, qui fait que des fois, je n'ai pas le temps de faire du loisir, tout simplement. Et ces derniers temps, je pense que ceux qui me suivent, vous avez compris, j'ai attrapé un sale truc qui m'a mis KO et je suis encore un peu KO, je l'avoue, pendant plusieurs semaines. Hein. Bon, donc voilà. Alors là, maintenant, on va passer à Loisirs. Je vous passe sur mon écran d'ordi. Comme ça, eh bien, vous allez pouvoir voir ce qu'est cette boutique. Alors, on va découvrir ensemble que c'est une boutique européenne puisque nous sommes en euros. Vous voyez, tout est en euros. Il n'y a pas de dollars. Donc, déjà, ça facilite pas mal les choses pour pas mal de personnes. Alors, vous voyez ici, on va avoir des choses personnalisées. Donc, vous voyez, un 5 étoiles sur 66 avis, ça veut dire que les gens sont assez contents. Donc là, personnalisation, vous envoyez une photo et ils vous le sortent en diamond painting. Vous n'avez plus qu'à coller vos petites perles. C'est à partir de 19,99€ là au moment où je tourne et vous voyez c'est en promotion parce que normalement c'est un peu plus cher, on est à 31,99€ pour les choses personnalisées. Il y a également des boîtes de rangement, il y a des outils, vous voyez là on voit des cadres, donc il y a pas mal de choses et puis il y a beaucoup de thèmes au niveau des diamond painting, des tableaux en diamond painting. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Donc, si vous êtes amoureux des diamond painting, là, vous allez trouver beaucoup de choses. Hein. Donc, ici, donc la page d'accueil, c'est Home. Les catégories, donc là, on va avoir les thèmes, hein, je suppose, de diamond painting. Animal, plantes, etc. Les paysages. Là, on a donc les diamants personnalisés. Donc, vous voyez, vous choisissez la taille de votre tableau. Évidemment, celui à 25x30 est en ce moment à 19,99€. Si on prend le 80x80, évidemment, c'est normal. Le produit est plus cher, c'est normal. Voilà, vous pouvez choisir en diamant carré ou en diamant rond. Vous voyez, donc on a pas mal de choses intéressantes.
Ensuite, les meilleures ventes, bon, comme beaucoup de sites, hein, ils vous proposent de vous partager ce que les gens préfèrent. Hein, donc, c'était la page d'accueil, c'est un peu pareil. Sinon, on a par thème, hein, on a carrément les catégories par thème. Donc là, les animaux, les plantes, les paysages, les plus populaires, les portraits. Donc là, par exemple, on a, j'ai vu femme. On va voir un peu mieux au niveau des portraits ce qu'ils disent. On a femme, Afrique et les grosses dames. Alors, grosses dames, j'ai envie de voir, mais qu'est-ce? Ça m'amuse assez. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal, franchement. Donc, il y a quatre tableaux grosses dames. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai été un petit peu voir en dessous. Hein. C'est-à-dire que si vous allez voir un article en particulier, il va vous mettre un petit résumé de ce que vous avez visité sur le site. Donc là, on a les enfants, donc les broderies pour les enfants. Donc là, hein, vous avez une petite idée un peu de ce que ça donne. Si vous voulez faire un cadeau ou par exemple, je ne sais pas, pour un anniversaire ou autre, pour une naissance, on ne sait pas. Au niveau des religions, là aussi, on a des choses. Donc j'imagine qu'on va avoir un peu de tout. On va voir ça ensemble. Moi, je pensais Ganesh, Bouddha. Donc vous voyez, on a tout ce qui est hindouiste, bouddhiste, christianisme. Donc on a pas mal de choses sympas aussi. Moi, j'aime beaucoup ces choses-là. Là. Voilà. Multipanel. Ah oui, vous savez, c'est les tableaux avec plusieurs tableaux qui en forment un. Vous allez voir pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Vous voyez, vous avez ici, par exemple, quatre parties. On va cliquer là. Par exemple, là, on a un bel arbre qui se fait sur quatre tableau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est superbe ces choses-là. C'est très très beau dans un salon. Si vous avez un grand salon, c'est très joli, moi je trouve. Ça habille tout de suite votre salon. Donc on a ça. Et donc les accessoires, moi j'ai été piocher pas mal dans les accessoires. J'en ai pris donc deux, comme je vous disais, qu'on va découvrir ensemble. Et là, vous voyez, on a les stylos, on a les boîtes, on a les cires, on a plein de trucs. Hein, voilà, donc il propose vraiment pas mal de choses intéressantes et puis donc les commentaires sur la boutique, etc. Voilà, donc ça s'appelle Loisirs. Je vous repasse vers moi. Voilà, alors on va commencer par le plus petit article qui est très très léger. Hein. C'est un article qui m'intéresse par rapport justement à mon grand diamond painting parce que j'ai, comment vous dire, je ne vais pas pouvoir le mettre sous verre comme j'aurais bien aimé. J'ai pensé à un moment donné le coller sur une toile. Mais finalement, il se peut que je le colle sur une plaque en bois. Et vous savez, vous avez la fin de vos diamants et vous avez toujours un espace de tissu autour avec les couleurs, les choses comme ça. Moi, cet endroit-là, je ne veux pas le découper. Ce que je veux faire, c'est entourer mon diamond painting. Et donc, j'ai pensé à cet article-là, qui est un article que j'avais déjà commandé, mais il m'en faut plusieurs parce qu'il est tellement grand que du coup, c'est l'occasion justement de comparer. Et je l'ai vu sur leur boutique. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le prendre. Comme ça, on va voir un petit peu comment il est chez eux, étant en recherche soit de pouvoir faire le tour, soit de perfection. Alors, voyons ça, voyons voir. Alors, c'est pas du tout le même que celui que j'avais reçu. Pourquoi? Mais parce que là, j'ai deux bandes en fait. Alors, je n'ai pas vu quelque chose peut-être, parce que ça c'est possible. Alors, c'est marrant, mais j'avais pas vu ça, j'ai pas fait attention. Ah oui, c'est très très large. Hein. Ah, j'avais pas vu ça du tout, moi. Je suis en train de grossir les photos pour mieux me rendre compte, mais en fait, on peut le découper tout simplement. Alors, en fait, vous avez deux cadres différents. Alors. Ah oui, non, c'est un pour eux. Mais alors, dis donc, c'est très, très grand. Moi, je pense qu'on peut découper. Alors, je vais vous montrer.
Voilà, c'est ça. Vous voyez ? Mais du coup, c'est très très large. Moi, j'en avais commandé un ailleurs et c'était vraiment une seule bande, par exemple celle du milieu. Vous voyez ? Donc, on va mesurer ça, je vais vous dire. Ça, en largeur, ça mesure en tout, hein, d'accord, 8 cm à peu près. Mais je pense que celui-ci, on peut découper une bande et garder celle-ci. On peut découper celle du milieu, garder celle-ci. On peut découper celle-ci. Ça peut nous faire soit 3 encadrements différents, soit on le laisse comme ça parce qu'on veut un gros encadrement. Hein. Franchement, on choisit. Hein. Bah oui, tout peut se détourner. Alors là, j'en ai pas mal. Donc, je vais vous dire la longueur de cet article-là. Alors, moi, je pense qu'on peut aussi le dorer un peu avec de la cire. On peut le travailler aussi, hein, cette matière-là. C'est une matière, comment dire... mousse, on va dire mousse 3D, hein. Voilà, donc on peut faire pas mal de choses avec, on peut vraiment les personnaliser, hein, puisque quand on fait du scrap, c'est ce qu'on fait. Et moi, je suis en train de chercher la longueur de ce produit, je vois pas du tout. J'ai pas trop de détails. Alors, ils disent que ça résiste, c'est imperméable, donc vous pouvez le laver à l'eau. C'est anti-salissure et relativement facile à nettoyer. Par contre, je ne vois pas la description de ce produit. Je ne trouve pas la description de ce produit. Alors, ça, c'est un peu embêtant. Quand je descends en dessous ce produit, je trouve des choses sur le Diamond Painting. Ils expliquent pas mal de choses qui sont intéressantes. Mais je vois pas la description du produit. Alors, alors voilà. Alors je vais le mesurer moi-même. Hein. On va dire comme ça, je dirais que j'ai 2,50 m, hein, à peu près. Je dirais comme ça, à vue d'œil, il y a 2,50 m de long. Donc, du coup, vous avez compris. Soit vous le collez en un seul hein, et ça vous fait un gros cadre. Moi, personnellement, j'ai envie de garder à peu près cette dimension-là. Donc, ça correspond à celle du milieu ou celle-ci. Donc, à moi de me décider. Mais là également, on peut récupérer ça. Enfin, voilà, quand on fait du scrap, on détourne un peu les objets. Et ça va être justement, c'est mon objectif vis-à-vis de cet article-là. Alors, il n'y a pas de description au niveau de cet article, c'est un peu dommage. Il y a peut-être des choses à améliorer sur le site. Donc, il y a plusieurs coloris. Hein. Moi, j'ai pris le A dièse au niveau du coloris. Donc, c'est une couleur, vous voyez, bois clair comme ça. Mais il y a également couleur marbre blanc. Il y a couleur cuivrée. Il y a du blanc. Il y a une couleur un peu plus foncée. Que celle-ci en marron, il y a également argenté, c'est très joli l'argenté, j'ai hésité. Hein. Bon, moi j'ai pris la couleur dorée, voilà. Il est en ce moment en promotion parce que normalement c'est vendu 37,99 € et en fait en ce moment il est vendu 23,99 € au moment où je vous le présente. Bon bah écoutez, moi je trouve ça très sympa. Donc vous avez compris que là c'est adhésif, hein, donc on décolle ici et on le colle directement bah, autour du diamant painting hein, ou autre, puisque ouais c'est pas mal. Voilà. Donc voilà, donc je suis assez contente de cet article-là, moi personnellement. Hein. Je vous mets le lien en dessous comme d'habitude, bien sûr. Et on va passer au gros article que j'ai trouvé chez eux et qui a l'air vraiment, vraiment pas mal. On va le découvrir ensemble. Alors, vous avez vu que j'ai reçu mes articles dans une enveloppe papier bulle et chacun des articles, hein, celui que je viens de vous montrer, était dans une autre enveloppe papier bulle. Et là, celui-ci est encore protégé par du papier bulle. Donc, on peut dire une chose, c'est que LoisiArt fait très attention à l'envoi de ses articles. Et ça, c'est un bon point pour les boutiques. Ça, c'est sûr. Moi, je le précise quand c'est le cas parce que vraiment, là, c'est top. Alors, c'est bien scotché, hein, c'est pas prêt de s'ouvrir. D'ailleurs, je ne sais pas où je vais l'ouvrir, peut-être ici plutôt. Voilà, non, non, on est pas mal hein, au niveau de,
de la sécurité des articles, là, c'est pas mal. C'est bien scotché, c'est épais. Voilà, et ici aussi, vous avez vu, hein, c'était pas prêt de sortir du papier bulle. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait, Léa, encore? Waouh, c'est joli. Ah, c'est très, très joli. Alors bon, vous avez compris que c'était pour le diamond painting. Hein, c'est à la base des outils pour le diamond painting. Donc, on a toujours cette petite coupelle avec deux carrés de cire à l'intérieur et le petit stylet pour attraper les diamants et pour attraper un peu de cire et attraper ensuite les diamond painting. Voilà. Alors, je pense que certaines ont déjà compris ce que c'était, hein, en voyant l'article comme ça. Hein. C'est une valise en dur pour ranger, normalement pour ranger les petits diamants. Alors, on va la découvrir ensemble parce que c'est une bonne grosse valise. Franchement, elle est très jolie. C'est très joli, très joli. Voyez ? Donc en dur, comme ça, les petites choses qu'il y a à l'intérieur ne s'abîment pas. Vous avez remarqué ici que la couture est de couleur violette. Il y a plusieurs coloris. Il y a noir, orange, vert pâle, cette couleur-ci. Donc violet, il y a rouge, il y a rose et il y a bleu, un bleu clair, bleu ciel. Et moi, j'adore le violet. Alors ici, on a une jolie petite anse qui est assez épaisse. Alors vous allez voir en dessous, vous voyez, on peut mettre nos doigts ici. Elle est assez sympathique, elle est bien travaillée. Franchement, elle est très très jolie. Ça a l'air d'être de la bonne qualité. Hein. Vous voyez, ça se ressort ici. Vous avez vu? J'essaie de vous montrer, voilà. Ah franchement, j'avais même pas imaginé une telle qualité. C'est très sympathique, hein. Ah oui, 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 même la finition, vous avez vu alors comment ça s'appelle ça, je ne sais pas trop, pour ouvrir là, c'est super joli. Franchement, ça fait un peu plastique, antidérapant, tout ça, elle est belle, hein, cette petite valise. Moi, je suis très, très surprise, je vous la tourne un petit peu pour que vous puissiez voir. Là, les finitions, ouais, c'est très, très joli. Hein. Ah oui, c'est vraiment joli. Je suis surprise, je vous avoue. Alors, on va l'ouvrir. Je l'ouvre face à vous. C'est parti. Attention. Et voilà. Alors, vous n'allez pas voir ce côté-ci, là, mais je vais vous le montrer après. À l'intérieur, donc, on a une mousse ici dans laquelle s'emboîte plein de petits gobelets comme ça en plastique. Ça se visse et ça se dévisse, vous voyez. Plein de petits contenants comme ça. Donc, c'est pour mettre les diamants. Les diamants ou les perles, tout dépend. Dans le scrap, moi, j'ai beaucoup de perles en vrac. Mais j'ai également pas mal de diamants, puisque j'ai fait quelques diamants de painting en vrac, comme ça, dans leurs petits sachets. Je vais pouvoir les mettre dedans. Pour les séparer. Et puis, c'est vrai que si je fais une petite carte, par exemple, ou une création, quelle qu'elle soit, je vais pouvoir regarder dans mes petits récipients, comme ça, quel embellissement choisir, quelle perle ou quel diamant choisir pour mes petits embellissements. Je trouve ça superbe. Il y a 80 compartiments à perles ou à diamants dans la valise. De l'autre côté, ici, parce que, ben, désolé, mais ça rentre pas dans le champ. Vous avez vu, on a une petite, un petit emplacement comme ça, un petit filet. Vous voyez mieux là, un petit filet pour ranger des choses encore. Pourquoi pas les stylets ou autres articles qui servent, outils qui peuvent servir justement dans le diamond painting ou pas forcément dans le diamond painting ou autre, parce que voilà. C'est quand même une super belle valise. C'est un bel outil, hein, franchement, c'est superbe. Hein. Ah ouais, regardez, elles sont belles les petites boîtes en plus. Hein. Elles sont superbes, elles sont transparentes. Donc du coup, vous voyez par-dessus la couleur. C'est vraiment, elle est superbe cette valise. J'ai rien à dire, les finitions ici sont très très belles. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Mais là, les coutures sont très bien.
c'est solide, on sent que c'est un plastique solide, c'est tout doux, c'est vraiment, c'est épais, c'est un bel article, hein, je vous assure, hein. C'est un bel article, hein. C'est un petit budget, parce que c'est vrai, là on a quand même 80 compartiments, hein, on n'en a pas une dizaine, mais c'est quand même un bel article, un bel outil de rangement, franchement j'adore. Il est propre, il est beau, il est solide. Il n'y a pas de couture qui dépasse. C'est moi je suis surprise quand même de la qualité du produit. Hein. C'est un bel article, je vous assure. Alors, il est en promotion là au moment où je vous parle. Je vous le dis, c'est un investissement. C'est vrai, on ne va pas se mentir, c'est un petit investissement. Mais alors ça, par contre, c'est vrai qu'aussi pour l'organisation, pour notre scrap, on ne va pas se mentir, on le fait. À un moment donné, quand on a beaucoup de matériel, c'est bien d'avoir des rangements. Et là, en ce moment, il est en promotion, il est vendu 66,99€ au lieu de 103,99€. Alors, sur leur site, il y a des plus petites valises. Sur leur site, par exemple, là, je regarde pour vous en parler, il y en a une avec 60 au lieu de 80, 60 bocaux. Elle est un peu moins chère. Du coup, si votre bourse ne vous permet pas de vous prendre celle-ci, là, par exemple, vous avez une promotion, elle est à 42,99€ au lieu de 66,99€ pour 60 bocaux. J'en vois une autre là avec 30 bocaux, donc là on passe à 31,99€ en ce moment. Il y en a d'ailleurs des qui sont avec un design au niveau de la valise. Celle-ci elle est simple, elle est noire, mais il y en a qui sont toutes décorées, magnifiques, hein, franchement elles sont très très jolies. Est-ce qu'il y a d'autres tailles? Il y en a une à 40 compartiments. Là, j'ai une autre valisette qui est un petit peu différente à 24 compartiments. Vous voyez, donc il y a plusieurs modèles de valises de ce type-là, ou même un peu différentes, puisque du coup, on a aussi des valises décorées, un peu design, comme ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai choisi celle-ci parce que 80 compartiments pour effectivement 66,99€ au lieu de 103€, ça valait le coup et elle est magnifique, elle est juste magnifique. Moi j'adore ce genre de rangement, donc je suis trop contente franchement de vous la présenter. Ah oui, trop contente. Voilà, bon, j'ai commandé ces deux articles là chez LoisirArt, je suis ravie de vous parler de cette boutique là. Je vous mets les liens en dessous de la boutique et des deux articles que je vous ai présentés. Je pense que celui-ci, je vais le détourner un petit peu. Hein, je vais voir ce que je vais en faire, mais je pense qu'on peut le cirer, on peut l'embellir encore plus que ce qu'il n'est là. Et ça, c'est cool. Voilà. Écoutez, moi, j'espère que ça vous a plu. Franchement, si c'est le cas, écoutez, mettez-moi un petit commentaire ou un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir de vous lire et de savoir que ça vous plaît. Et puis, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée et à vous dire à bientôt.